Bonjour. Alors, bonjour à tous. Je suis en compagnie de Guillaume qui va se présenter. Donc, alors, Guillaume, est-ce que tu peux te présenter? D'où viens-tu? Et puis, Pas de problème. Je m'appelle Guillaume, j'ai 32 ans et je viens de Bretagne. D'accord, et quelles sont tes passions, Guillaume? Alors, mes passions, c'est la photo et puis les animaux, voilà. Et puis j'aime bien chanter aussi. D'accord, ok, ta chanteuse ou ton chanteur préféré? Bah, Elsa et Snoot dans Les Mystères de l'amour. D'accord, et puis quel est ton rêve? Ah bah, c'est de la rencontrer justement. Donc J'aimerais bien. ton rêve est de rencontrer Elsa et Snoop? Oui, et tous les comédiens des Mystères de l'amour, parce que je suis cette série depuis 1992, depuis Hélène et les garçons. C'est toute ma jeunesse, et j'ai grandi grâce à eux, et j'aimerais bien les rencontrer. J'ai rencontré quelques acteurs comme Sébastien Roch, Cri-Cri d'amour, D'accord. Nicolas, Patrick Puydeba, puis quelques autres acteurs, Lali Ménian aussi, Lali. Bénédicte, Laure Guibert, et voilà. Mais ton rêve ultime, c'est de rencontrer Elsa et Snow. C'est ça, oui. Ah oui, D'accord. Bon, bah, si j'ai tout. quelqu'un tombe sur cette vidéo, Mais j'espère. bah, faites en sorte que Guillaume puisse Si elle pouvait avoir venir. son rêve en réalité. Si elle pouvait venir en Bretagne, ce serait bien que je puisse. Bah, lance un petit message, on sait jamais. Si tu vois ce message. Je t'adore et je t'admire beaucoup. Et tu te complexes, c'est dommage, tu te complexes beaucoup sur ton physique, sur ta beauté. Il faut pas, tu es belle naturellement, donc il faut arrêter de te mettre des filtres et de t'enfermer. Tu es belle comme tu es. Moi aussi, je suis moche et je m'en fous. Voilà. Non, 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 faut pas dire ça. Faut pas dire ça. T'es pas moche, Guillaume. Bah si, je suis moche, je suis. Mais j'aimerais bien te rencontrer, donc si tu vois ce message, bah, j'espère te voir Ben non, Guillaume n'est pas moche. attends, dans une séance dédicace ou à un concert en Bretagne. Donc, si Elsa voit cette vidéo, Et c'est ce qu'il te reste à faire. en plus, Elsa, j'ai tous tes albums, j'ai ton livre, et tu m'as même dédicacé deux photos. Et voilà. D'accord. Et j'ai tous les albums des. Enfin, j'ai tous les coffrets des Mystères de l'amour de saison 1 à saison 17. Dommage qu'il n'y a pas de suite. D'accord. Et est-ce que tu peux nous présenter tes réseaux sociaux? Bah, mes réseaux sociaux, il y a Guigui le Joyeux que c'est que des photos de moi en fait. Non, et c'est sur quelle plateforme? Instagram, D'accord. Guigui le Joyeux, tiré du 8, 21.08.2021. Et en fait, c'est une page que des photos de moi, en fait, parce que je suis très photogénique. J'aime bien me prendre en photo. Alors, ce qui est étrange, c'est que j'adore me prendre en photo. J'adore qu'on me prenne en photo. Mais je déteste mon. Me regarder dans un miroir. Voilà. D'accord. Ensuite, j'ai un deuxième compte page Instagram. C'est Photo de la lumière du monde, tout attaché. Photo avec un S à la fin. Et c'est un compte en fait bah, sur les paysages, les animaux, coucher du soleil et de la Bretagne. Et là, je suis actuellement à Paris. Avec mon ami Alex là-bas, je suis hébergé pendant 2 semaines et je fais plein de photos et ils seront justement sur cette page. D'accord, t'as une page Facebook également? Ouais, j'ai une page Facebook aussi, Cœur Guillaume, voilà. D'accord, et t'as une page YouTube aussi? Oui, Guillaume, grand cœur. Et j'ai aussi Snapchat, Guillaume, tiret du 6, photo. D'accord, donc bah, si vous Voilà. tombez sur cette vidéo sur ma page YouTube qui est donc Pascal Teddy Easy.
Donc j'espère que le rêve de Guillaume va s'exercer, va pouvoir être exaucé. Et j'aimerais faire un message aussi. Donc je suis photographe amateur, voilà. Donc c'est juste un passe-temps, un loisir pour moi. Et je prends de tout, en fait, les paysages, les animaux, comme je disais, coucher du soleil, la mer, enfin de tout, c'est varier la nature, les fleurs, les personnages aussi. Donc je passe un message pour tous les jeunes talents et les artistes, voilà, connus ou pas connus. Si vous êtes intéressé, si vous voulez faire une séance de shooting, bah, n'hésitez pas à me contacter et on peut se voir en Bretagne si vous êtes du coin. Voilà. Voilà, et donc moi je vais essayer de lancer la carrière de Guillaume et de le suivre et pourquoi pas de l'accompagner dans Voilà. sa future Et carrière. puis, On ne sait jamais. et un dernier message. Et pour tous les animateurs radio, si vous me regardez aussi, j'aimerais bien être interviewé aussi sur ma carrière, sur la photo, tout ça, et parler aussi d'Elsa, des mystères de l'amour. Alors là, je peux en parler pendant des heures et des heures, ça ne me dérange pas du tout. Donc si vous êtes intéressé, bah, contactez-moi, je serai ravi d'être diffusé sur votre plateforme radio. Voilà, donc vous savez ce qu'il reste à faire. Contactez Guillaume si vous êtes intéressé par tous ces beaux Voilà. projets qu'il vient de nous énumérer sur cette vidéo. Et je suis une personne très simple, je suis très sociable, serviable et j'ai un grand cœur, voilà. Et je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous et puis à très vite. Eh bien, moi, je peux le confirmer que Guillaume est une personne très, très, très sympa. Et j'espère que son rêve sera exaucé de rencontrer Elsa et Snou. Donc, merci pour cette interview. Merci Alex, Et voilà. enfin Pascal. Voilà. À Allez. bientôt, au revoir. Merci pour cette interview, Guigui. Merci.